Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante. » Mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert. Car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Monseigneur le vicaire général de Douala. Chers frères dans le sacerdoce, chers fidèles du Christ, chers séminaristes, à vous tous, à nous tous, bonne fête. Nous célébrons la fête de l'évangéliste Saint-Luc. Et nous savons ce que Saint-Luc, l'évangéliste, Saint-Luc nous a apporté, ce que son évangile nous a révélé. Donc c'est une belle occasion pour nous, et surtout pour vous qui êtes dans cette maison de formation, une bonne occasion pour mieux accueillir l'Évangile, pour accueillir notre Seigneur Jésus-Christ.
évidemment par l'Écriture sainte, nous apprenons à connaître la révélation de Dieu, comment Dieu se fait connaître à chacun d'entre nous, comment le Christ nous rencontre et comment nous l'accueillons. Et voilà, dans cette voie, on nous présente Saint Luc, ou du moins un verset parle de lui, de Saint Luc. Luc est seul avec moi, donc c'est Paul qui parle. Donc on dit souvent que voilà, Luc était un disciple de Paul, qui l'accompagnait donc Paul, puisque le texte le dit clairement. Et ce qu'il a recueilli de Jésus-Christ ou de Paul, c'est que le Seigneur est au milieu de nous pour nous manifester la miséricorde de Dieu le Père, pour nous manifester la bonté de Dieu, pour nous dire que le Christ qui est au milieu de nous, nous aime, qu'il accueille tout homme, surtout les pauvres, ceux qui sont abandonnés, et tous ces gens, tous ces pauvres, voilà, ont une place particulière dans l'Évangile selon Saint Luc. Et Luc nous montre comment, quelle attention le Christ leur accorde. Voilà. Nous avons, n'est-ce pas, les enfants, les paraboles, paraboles de l'enfant prodigue qui revient, qui a tout dépensé. Son père l'accueille. Cette femme qui vient se jeter aux pieds de Jésus, on l'accuse d'être une femme pécheresse, mais le Christ ne l'écarte pas, la laisse toucher ses pieds, laver ses pieds de ses larmes. Tant d'exemples. Voilà, nous avons donc le Christ qui est pardon, qui est amour, qui est bonté, qui est tendresse. C'est ce que l'évangéliste Luc nous présente. Donc Luc était donc chargé de mettre par écrit cet enseignement. Et dans l'Évangile, par contre, nous avons un autre point important, l'envoi des disciples en mission. 72 disciples que notre Seigneur envoie en mission. Et nous avons ici même, le sens de ce qu'on appelle la mission. Voilà. Tout d'abord, ces gens qui sont choisis, à qui notre Seigneur confie une mission d'aller proclamer
la bonne nouvelle. Ce qui nous montre que chacun d'entre nous est chargé de porter la bonne nouvelle. Et ici, le Christ nous invite à prier pour qu'il y ait assez d'ouvriers, des gens qui disent oui au Seigneur et acceptent d'être envoyés. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici ce que je vous envoie comme des haillons au milieu des loups. Cela est important pour nous. Le Seigneur a appelé chacun d'entre nous. Il nous envoie en mission pour proclamer la bonne nouvelle. Et ici, le point le plus important sur lequel il faut insister, quel est le profil? Vous savez, quand on fait quand on présente un emploi, on décrit ce qu'on décrit, on décrit le profil, c'est-à-dire comment celui qu'on doit recruter, quelle qualité, quel diplôme il a, quelle qualité d'homme il est. Est-ce que c'est un travailleur? Est-ce que c'est un homme paresseux? Voilà le profil. Mais ici, nous avons nous aussi une sorte de profil que nous devons avoir, nous que le Seigneur appelle. Et cela est important pour pouvoir répondre à l'appel du Seigneur. Sans cela, nous ne pouvons pas être disciples. On dit voilà, je crois que ce qui détermine ici, c'est ce que le Christ nous dit lui-même, ce profil-là. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales. Voilà. Alors ici, nous avons quel type, n'est-ce pas, de disciple, quel profil? Il ne faut rien emporter. Absolument rien. Partez. Oui. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales. Ah oui. C'est-à-dire, partez dans une attitude de pauvreté extrême. Ce qui permet ici de faire confiance au Seigneur. Voilà ce qui est demandé à chacun d'entre nous. Partir sans rien emporter. Sans s'inquiéter pour savoir qu'est-ce que j'aurai. Est-ce que je ne mourrai pas de faim? Non, partez. Et c'est cela, et ça s'apprend. C'est ce que vous avez à apprendre ici. Nous tous, quand nous passons par le séminaire, c'est pour apprendre cette attitude de pauvreté, ce qui nous permet de faire don de manière totale de notre vie au Seigneur. Et cela va contre nos projets parce que je pense, n'est-ce pas, à quand vous vous préparez l'ordination,
Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui? On demande un véhicule. Si au moins, s'il n'y a pas de véhicule, il faut une moto. S'il n'y a pas de moto, le vélo, c'est pas à notre niveau. Et vous savez, c'est pour ici souligner, n'est-ce pas, ce que nous rêvons, nos projets, est en fait loin de ce que le Christ nous demande. Je me rappelle bien, j'ai dû arrêter l'ordination d'un prêtre parce que tout ce qu'il demandait pour l'ordination, c'était beaucoup. Ça donnait des millions. Est-ce que nous avons besoin de tout cela? Avons-nous besoin de tout cela pour être prêts? Je vous donne un exemple, celui que nous connaissons bien. Baba Simon, quand il est parti au nord, il n'a rien emporté, absolument rien. Et en vivant au milieu des gens de la montagne, qu'on appelle les Kirdis, qui sont pauvres, c'est en ce moment-là qu'il revenait ici à Douala, demander de l'argent, tout demander, même des habits, mais pas pour lui, mais pour ces gens-là auprès de qui il est envoyé, ces gens à qui il doit annoncer l'évangile. Mais rien pour lui. Et justement, c'est cela. Mais j'ai l'impression que, pas l'impression, aujourd'hui, cela est plus fort que nous. Il nous est difficile de dire, mais de nous poser la question. Ce que le Christ nous dit là, est-ce que c'est réellement pour nous? Est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est pas possible? Répondez-moi. Ah ouais, sinon nous perdons notre temps. Si nous refusons de nous convertir, de marcher selon, n'est-ce pas, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le texte continue bien. Alors, ne saluez personne en chemin, mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Alors, ce qu'ils ont donné aux gens, c'est la paix. C'est donner en fait Jésus-Christ à ces gens-là. Quand nous sommes ordonnés, c'est pour annoncer Jésus-Christ. Ce n'est pas pour nous-mêmes que nous avons été ordonnés. Nous avons été ordonnés pour les autres. Nous avons fait don de notre vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nous avons annoncé la paix, et la paix, c'est Jésus-Christ. C'est que nous venons. Quelquefois, nous prêtres, nous sommes en paroisse. Beaucoup de gens viennent vers nous. Vous voyez, nous sommes contents. Nous pensons que les gens viennent vers nous là parce que nous sommes beaux.
parce que nous nous habillons bien, parce que nous avons de belles chaussures. Ne nous trompons pas. Les gens viennent vers nous pour apprendre à connaître Jésus-Christ et à aimer Jésus-Christ. Le jour où vous n'êtes plus prêtre, personne ne viendra vers vous. S'ils viennent vers nous, sachons le bien. S'ils viennent pour nous, c'est pour Jésus-Christ et nous avons à leur donner Jésus-Christ, à leur donner la paix, pas autre chose. Ce n'est que cela. Nous avons à être à leur service, au service de nos frères. Et ici, voilà, on dit, s'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Et on nous demande même aux envoyés de rester dans cette maison. Vous voyez, ici, nous avons tout. Mangeant et buvant ce que l'on vous sert. Ça veut dire que nous n'allons pas mourir de faim. Pas du tout. Dans une paroisse, un prêtre qui est là au service de ses fidèles, ses frères feront tout, vont se priver de tout pour donner à manger à leurs prêtres. Le peu qu'ils ont, ils vont le donner à leurs prêtres. Lorsque réellement le prêtre est là pour eux, le prêtre est là pour leur apprendre à aimer Jésus-Christ, ils feront tout. Et le Christ le dit donc, l'ouvrier mérite son salaire. Nous donnons Jésus-Christ. Les gens nous prennent en charge. C'est cette attitude de confiance totale en Jésus-Christ que nous devons avoir. Que c'est lui que nous servons en servant nos frères, en faisant connaître Jésus-Christ à nos frères. Il n'y a pas autre chose. Si déjà chacun d'entre vous cherche, voilà, sans doute il y a certains parmi vous qui rêvent déjà à cela, le jour de son ordination, qu'est-ce qu'il aura? Qu'est-ce qu'on va lui offrir? C'est d'abord ça. Et c'est même, il y a même une sorte de concurrence. On dit, tel a ceci, tel a cela. Et dans, il semble que au Nigeria, quand on ordonne, on désigne le type de véhicule qu'il faut donner au prêtre. C'est ça? Mais voilà le sacerdoce. Le sacerdoce correspond à un moyen de locomotion. Le sacerdoce, c'est une voiture. Vous voyez combien nous sommes pauvres arrivés à ce niveau-là. Même s'il faut marcher à pied, il le faut. On a donné le témoignage, ça je ne le savais pas, parce que un prêtre avec qui j'ai travaillé, j'étais pour présenter mes condoléances à sa famille, à son diocèse. On rapporte ceci, il avait sa bicyclette. Il a porté sa valise sur sa bicyclette pour aller célébrer la messe. Et en route, les policiers l'arrêtent. Il leur explique tout. Mais les policiers ne veulent céder en rien. Alors, évidemment, est-ce que les policiers voulaient que sans doute qu'ils donnent quelque chose? Ils l'ont
ont pris sa bicyclette. Ok, il a détaché donc sa valise, sa pelle. Il a mis sur la tête. Il a laissé les policiers avec la bicyclette. Il est parti célébrer sa messe. C'est l'essentiel, ce qu'il cherche. Aller célébrer l'Eucharistie. Aller célébrer l'Eucharistie, pas autre chose. Laisser la bicyclette. Mais ce n'est pas ça qu'il cherche. Ce qu'il cherche, c'est annoncer l'Évangile. Je crois que nous devons, nous tous, en commençant, nous ici, nous devons revenir à l'essentiel. Pourquoi le Christ nous a appelés? C'est d'abord pour être avec lui, pour le servir, pour l'aimer, vivre selon l'Évangile. Et c'est ce qui nous met au service de nos frères. Et c'est ce que vous avez à prendre. Ne dites pas que, ok, dans notre monde aujourd'hui, le prêtre c'est ceci, le prêtre a telle maison, a tel ceci, a tel cela, c'est ce type de prêtre que je voudrais être. Non, ce n'est pas cela. Ce que nous avons là, ce ne sont que des moyens de locomotion. Mais nous ne faisons pas, nous ne faisons pas prêtre pour des biens matériels. Nous ne renonçons pas, n'est-ce pas, à tout pour des biens matériels. Vous voyez, les apôtres, ils ont eu beaucoup de difficultés pour comprendre ce que suivre Jésus-Christ. Chacun voulait être ceci, voulait être cela. Ils n'ont pas compris. Ils ont compris, sans doute, grâce à la puissance de l'Esprit Saint, ils ont compris qu'ils ont été appelés, en fait, pour servir. Mais c'est cela, nous avons été appelés pour servir, pas pour autre chose. Connaître Jésus-Christ, nous donner totalement à Jésus-Christ, nous laisser totalement transformer par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que notre monde a besoin, c'est ce dont notre monde a besoin. De prêtres qui servent l'Église où on rencontre Jésus-Christ, l'Église qui est au service des pauvres. Et nous, les premiers, nous devons être ce serviteur-là. Et vous voyez, et il faut porter, ici c'est important, le dernier verset, mais il faut porter ce souci constant, cette préoccupation constante, proclamer partout l'Évangile qui est message de salut, l'Évangile qui est Jésus-Christ, la bonne nouvelle qui sauve. Jésus-Christ qui sauve, c'est lui que nous avons à annoncer. Nous avons à annoncer, pas autre chose. Et dans Saint Jean de la Croix, vous avez, sans doute vous le connaissez, vous voyez, il y a un texte où voilà ce que nous avons annoncé, allez dire aux hommes, aller faire connaître aux hommes le visage de Jésus-Christ. Et on exprime, il emploie même cette expression, faire connaître au monde entier le beau visage de Jésus-Christ, que c'est lui qui sauve et c'est lui que nous avons à annoncer. Nous devons, autant que possible, disparaître avant tout. Vous voyez, avec le temps, on peut monter, on a été ici, on a été ici, mais au dernier moment, nous nous retrouvons face à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a donné sa vie pour nous. Lui qui nous aime, malgré toutes les difficultés que nous pouvons avoir, mais il est avec nous. Et c'est lui, c'est notre richesse. Vous voyez, disait l'apôtre Paul, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé à tout. Maintenant, il a tous les biens du monde. Tous ces biens du monde, là, c'est quoi? C'est la connaissance de Jésus-Christ. C'est l'amour de Jésus-Christ. C'est cela qui lui reste. Tout simplement, pas autre chose.
Donc il nous envoie et quelqu'un aujourd'hui comme Luc qui a découvert cela, montrer comment Jésus-Christ se présente à nous. Luc, c'est cela l'évangéliste Luc, que Jésus-Christ, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est la miséricorde, c'est le pardon. C'est lui qui accueille ceux qui souffrent, ceux qui sont abandonnés, ceux qui vivent dans la misère, ceux qu'on tue. Voilà Jésus-Christ. C'est cela que nous avons accueilli et c'est ce message, n'est-ce pas, que l'évangéliste Saint-Luc nous révèle aujourd'hui, ce point particulier de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, lisez, méditez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu et cherchez autant que possible à mettre la parole de Dieu en pratique dans votre vie. Et c'est cette parole qui vous transformera, qui transformera votre vie, parce que cette parole vous permet de rencontrer Jésus-Christ, de répondre à son appel.